Là, on voit que ça ne charge pas encore les panneaux solaires. On est à 12,3 sur l'ensemble des deux packs de batterie. En plein hiver, voilà, il est 8h, 8h30 du matin. Ça charge pas encore. Là aussi, c'est le contrôle de charge des panneaux solaires, ça vient de s'allumer. Contrôle de charge des panneaux solaires qui vient de s'allumer, ce qui confirme que la lumière ne fonctionne que quand il y a de l'électricité, c'est-à-dire du soleil. Question qu'on s'est posée hier soir. Entre autres questions, parce qu'on s'en pose plein et qu'on est là pour y répondre. Alors on change les tuyaux des toilettes. Oui, encore, encore et toujours. Je ne vous montre que ce qui est regardable, parce que la vanne d'évacuation était bouchée. Alors un conseil, utilisez le moins possible les toilettes en faisant monter de l'eau de mer pour servir de chasse d'eau. Essayez de sacrifier de l'eau douce s'il faut, voilà, parce que le peu d'eau de mer que vous faites monter, il y a immédiatement des petites coquilles, des concrétions, et après vous avez un dépôt de calcaire, mais c'est juste l'enfer. Donc le moins possible. Et puis mettre du produit que je vous ai déjà montré. Enfin, c'est vraiment à entretenir presque plus que le moteur. C'est incroyable. Bon, autrement, là, il fait beau. Il y a du vent, mais il fait beau. Il ne fait pas chaud. Enfin, c'est gérable. Là, vous ne le verrez pas, mais au travers du bateau, là, on voit le canigou enneigé. Alors, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis, c'est pas dégueu, c'est pas vilain comme vue.
Alors cet après-midi, si vous entendez, cet après-midi on remet à l'eau. Alors, donc l'antifouling est fini. Carénage, donc ça s'appelle poser l'antifouling. Donc le bateau est sur des berres. C'est idiot, mais c'est une question que je me suis posée longtemps. L'endroit où le bateau est appuyé. De même, l'endroit où la quille, sur la, l'endroit sur lequel la quille est posée. Eh bien, mais on ne peut pas peindre dessus. C'est bête, mais ça m'a longtemps traversé le ciboulot. Je me suis dit, il faut le temps que ça sèche. Donc comment on fait? Eh bien, en fait, c'est simple. Quand on va gruter le bateau, il sera libéré de ce qu'on appelle les berres et on peindra un coup d'anti-fouling. Eh bien oui, ça suffit et ça sèche tout de suite. On le met à l'eau directement et il n'y a pas de problème. Ben voilà. C'est un problème idiot auquel j'ai pensé pendant longtemps et la réponse est ultra simple. D'où l'intérêt d'aller voir sur YouTube et, si vous me permettez, de le partager. Ça évitera pas mal de chercher peut-être. Alors, donc, on va faire une petite discussion sur les quilles, la quille d'un bateau et particulièrement la quille de chamallow. Donc, chamallow est un quillard, quille fixe, et il a une option long tirant d'eau, c'est-à-dire qu'on a une quille pleine, sans bulbe, lourde, un peu plus lourde que si elle était, si c'était une quille standard lestée. Et donc, plus de tirant d'eau, meilleure remontée au près, bateau plus ardent, bref, c'est un avantage. Mais, il faut le voir pour le comprendre. Alors, regardez la quille, vous l'avez déjà vue, mais regardez-la. Elle est d'un seul tenant. Voilà. Toute droite, pointue. L'intérêt, eh bien, c'est que quand on est au portant, rien de ce qui est en bas ne ralentit. Et quand on est au près, elle est plus longue, donc le bateau est plus tenu. On va aller voir sur d'autres bateaux ce que ça donne, les formes de quilles différentes. Alors, ici, on a un bateau un peu ancien. Vous voyez que la quille fait tout le long du bateau. Voilà. Elle englobe même l'arbre d'hélice et le gouvernail. Voilà. Donc effectivement, ça permet d'avoir un bateau très lourd, très stable. En revanche, il y a moins de tirant d'eau en proportion, mais c'est plus étalé. Donc ça doit bien tenir. En revanche, pour la manœuvrabilité, c'est peut-être plus compliqué. On va aller voir un autre système. Le système le plus courant, c'est la quille avec un bulbe. Voilà, ce monsieur qui est au carénage avec moi, qui a un Bavaria 40, qui est un bateau à peu près de la même facture, a une quille avec un bulbe, vous voyez. Voilà. Ce qui permet d'avoir un tirant d'eau plus court, mais d'avoir un lest important. Ici aussi, on a une autre forme de quille à bulbe. On a un autre voilier au carénage, avec une quille plus courte, droite, un peu comme la mienne. C'est le safran qui n'est pas totalement suspendu. Et à côté, on a un autre bateau. Voilà, toujours pareil. Une quille un peu plus courte, semble-t-il. Enfin, vu la taille du bateau, hein, c'est un 47 pieds. Un peu plus court, mais avec un bulbe. Si on regarde derrière, on comprend mieux. Voilà.
ça y est, la grue a commencé à être installée. La grue commence à être installée. Hein, c'est pas... Elle est juste mise là parce que ils ont fini la matinée, on le fait après. Donc, pour résumer l'histoire des quilles, comme vous avez vu, la quille de chamallow est longue, droite et n'a pas de bulbe. C'est l'option grand tirant d'eau. L'immense majorité des bateaux modernes ont des quilles courtes avec un bulbe. Vous avez vu que c'est quand même un frein dans l'eau, on le voit. Hein. Donc ça a beaucoup d'avantages, évidemment. D'abord, c'est moins cher parce que c'est un... Comment dirais-je, c'est pas de la fonte. Donc c'est y a un lest. La quille est plus légère, il y a juste un lest là en bas. D'abord, c'est moins cher parce que la quille n'est pas pleine et lestée. C'est juste le lest, c'est juste le bulbe. Ensuite, ça permet d'avoir une quille plus courte, donc moins de matière. Ça marche très bien. Si on veut un peu plus de performance, on constate que le bulbe est un frein léger. Mais bon, en théorie, c'est un frein. Surtout au portant. Alors après, il existe les dériveurs, il existe tout un tas d'autres, les piquilles. Mais disons que ça, c'est